Bien, salut à tous, c'est du GTA 5. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour transférer tes peintures sur les armes. Donc, c'est un glitch qui va être patch à la suite. Donc, c'est assez facile. D'abord, il faudra choisir n'importe quelle division. Donc, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Donc, il faudra juste entraînement de base fusillé. Donc, par exemple, moi j'ai pris la STG 44 parce que j'ai beaucoup d'armes, beaucoup de camo dessus, mais j'ai pas le or. On peut mettre or, diamant, n'importe quoi. Donc, là, on prend le palmier, on a n'importe lequel. Ensuite, la manip est très simple, ça marche juste sur le pistolet et la pelle. Après il y a une batteuse aussi mais je sais plus son nom. Donc en fait le seul truc qu'il faudra faire c'est juste changer de truc. Donc vous mettez n'importe lequel et vous allez voir là votre pistolet il va avoir le camo. Tandis que je n'ai pas le camo, donc c'est un bug du jeu, je sais pas pourquoi. Donc c'est assez fun, après vous pouvez le voir. Donc ça le fait normal. Quand vous passez prestige vous l'aurez plus. C'est un inconvénient. Donc là vous pouvez voir j'ai le camo. Je peux même en faire avec d'autres. Donc je mets fusillé. Juste à mettre par exemple la STG. Et je mets n'importe quel camo, genre celui-là. J'ai juste à mettre même lui, parce que tout à l'heure j'ai mis lui. Vous mettez même lui et vous voyez vous avez automatiquement le camo. Donc ça c'est bien parce que franchement ce camo il est chaud à avoir. Par exemple, 50 tirs dans la tête avec un pistolet, c'est rare qu'on joue avec un gun. Donc franchement, c'est assez stylé. Donc, je sais pas ce que ce glitch va être patch quand, mais c'est un petit glitch assez intéressant. Donc les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais que c'est un peu court, mais on se dit à la prochaine. Salut, peace.